reçu la lettre? Du juge. Faut que je passe récupérer mon bouquin. Allez. Just to buy food and soap. Pourquoi vous les empêchez d'entrer? Non, excusez-moi, madame, mais je fais mon travail. Toi, bien sûr, tu dis rien. J'avais envie de faire un film sur mon époque. Ouais, c'est ça. Sur le pays où je vis. Et sur les gens que je côtoie. Et j'ai parallèlement à ça une envie de faire de raconter une histoire riche, forte, dense. Where you want to go? England. England, where am I going? Hey, Charlie, how are you? I'm from England. Where are you from? Where are you from? Pilsat. Uro. Je suis tombé sur ce truc invraisemblable qui nous fait nous demander si on est bien en France en 2009 et pas pendant l'occupation, enfin un truc où il y a une espèce d'état de siège qui règne, où la suspicion, où on peut voilà, et des personnes en situation irrégulière, c'est un délit, on peut se retrouver en tôle et tout. J'ai trouvé ça tellement fort que je me suis dit, attention, il y a un vrai beau film à faire, mais faut être droit dans ses bottes. Cherche partout, Simon, ils vont te mettre en préventive. C'est ça. Et vous êtes sûr qu'il est parti? Oui, sûr. Je suis l'ennemi farouche du consensus, du truc souple et mou pour déranger personne. Si ça dérange un peu, c'est pas mal. Il a fait 4000 km à pied pour aller trouver. Et maintenant, il veut traverser la Manche à la nage. Moi, quand t'es parti, j'ai même pas été foutu de traverser la rue pour t'attraper.